conscience de la grève pour 60 jours de la pandémie à COVID-19. Mesdames et messieurs de la presse, le bureau exécutif national de Sinamed Asbel se fait le devoir de partager avec vous l'économie de son évaluation des 60 jours de suspension de la grève des médecins de service public de l'État du 20 janvier 2020. Pour rappel, la 5e session du Conseil national du Sinamed Asbel est tenue à Kinshasa du 31 janvier au 1er février 2020. Lors de cette assise, et conformément au statut du syndicat national de médecins Asbel, l'option a été levée à l'unanimité des participants venus de 21 provinces de notre pays, d'accorder au gouvernement de la République un timing de 60 jours pour la matérialisation des engagements pris à 10 mois envers le médecin, et ce, à partir du 1er février 2020. Cette décision du Conseil national a été communiquée à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Pour sa part, le Bureau exécutif national s'est engagé à faire respecter par tous ses membres la décision du Conseil national 6 et 8. Le suivi de la dite décision a été effectivement assuré par le Bureau exécutif national à travers les correspondances numéro 09 du 17 février 2020, 016 du 4 mars 2020 et 024 du 17 mars 2020, respectivement, pour les 15e, 30e et 45e jours. Correspondance adressée à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et nous estimons que cette correspondance n'a pas connu des réponses ni accusé des réponses. Sur directive de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence, Monsieur le ministre de la fonction publique, a convoqué deux séances de travail, mais sans retomber consistance en termes de travail. Raison pour laquelle le Sinamed a cessé de déplorer le silence du gouvernement en dépit des différents rappels lui adressés. Le Sinamed condamne la léthargie dans le traitement du dossier d'un médecin par le ministre sectoriel. L'alignement à la prime prévu pour le premier trimestre 2020, en prenant en compte le médecin réellement en service, continue de piétiner. Les recours ne sont toujours pas analysés. Ce médecin non payé depuis plusieurs années sont exposés aujourd'hui à la pandémie, à COVID-19, sans moyens conséquents pour leur protection et pour leur subsistance. Il en est de même de la longue attente de la nomination des médecins au grade, de la mécanisation au salaire, de la mise en place de la commission mixte de suivi des dossiers de médecins. Il est d'ailleurs étonnant que au niveau du ministère du budget, l'enveloppe destinée aux 800 médecins devant être alignée au premier trimestre 2020 est disponible et que le travail traîne pour quelles raisons nous ne savons pas. Le travail de fond a été fait, mais maintenant pour programmer le médecin de T1, T2, T3, T4, T13, nous ne comprenons pas parce que ça, c'est la responsabilité du ministère de la Santé publique. Les parties prenantes sont disposées, les syndicats, le médecin, ils sont disposés à faire ce travail,
avec le service technique que nous avons, mais nous ne savons pas pourquoi ça traîne. Au niveau du ministère du budget, on est en train de revoir à la hausse les rémunérations des corporations. Et dit qu'on revoit les rémunérations des corporations autres.